Je m'appelle Jérémy, j'ai 17 ans, je fais ma mission au football club du Chéran. Flora, je suis d'Annecy, j'ai 19 ans. Je suis à l'école Sainte-Anne à Annecy pour aider l'équipe éducative dans le projet culturel et artistique. Alors je suis Laura, je suis née à Annecy, j'ai 23 ans, donc je suis purement savoyarde. Et je fais ma mission service civique au comité départemental olympique et sportif de Haute-Savoie. Au sein de la commission mixité pour laquelle je réalise une étude sur la féminisation du sport sur le territoire de Savoie. Alors moi c'est Lucille Lambrecht, j'ai 20 ans, je suis à Annecy et je travaille à l'école primaire et maternelle de Nouvelle. Je m'appelle Audrey Jourdan, j'ai 23 ans et j'ai été recrutée par Annecy, la délégation de la Croix-Rouge française d'Annecy, mais je suis basée à Bonneville. Okay. Je m'appelle Anaïs Filiat, j'ai 18 ans, je suis née en Suisse. Avec André Falcomata, donc le président de l'équipe. Donc au début j'étais déjà volontaire, en volontaire bénévolat pour déjà aider le club. Et après c'est le président André Falcomata qui m'en a parlé. C'est aussi Udensi qu'on m'en a parlé. À la base je regardais les dispositifs pour partir à l'étranger et je vais tomber sur le service civique sur Facebook. Un soir comme ça. Oui, parce que j'aime bien le sport, j'aime bien le foot, tout ça, et du coup, c'est un peu le métier que je vais faire plus tard. Oui, bah, y a toujours quelques surprises qu'on apprend sur le terrain, mais après, moi qui travaille auprès des enfants, je suis en train de tout à fait. C'est vraiment une très bonne expérience. Oui, ouais. Ça me donne vraiment. J'ai vraiment envie de m'occuper des enfants. Oui, exactement. Toutes les missions que j'ai faites, c'était ça. Parce que je cherchais un emploi ou une mission qui avait du sens pour moi, et avoir du sens, c'était de faire quelque chose d'intérêt général, d'utilité publique, et donc j'étais déjà volontaire, et déjà financièrement, ça va être pour les études. Enfin, en même temps, je suis étudiante et du coup, pour un peu payer mes études, tout ça, et c'est ce que j'aime faire. Donc. Est-ce que c'est bénéfique? Mais je ne savais plus trop quoi faire. Après, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un service civique. Donc là, je fais un service civique. C'est pour surtout prendre de l'expérience et puis un peu rentrer dans le monde du travail, même si ça fait vraiment du travail. Et tester. L'administratif, puisqu'on fait un peu d'administratif, l'événementiel aussi, l'organisation, tout ça. On a signalé avec les autres. Il y a aussi une mobilité, des stages, pas forcément besoin de refaire par la suite, parce que ça peut apporter énormément de choses. Je ne suis pas issue du milieu sportif, donc ça m'apporte plein de connaissances sur le milieu du sport. M'aider à trouver un travail et m'aider à faire les études que je fais. Justement, ça m'a permis de peaufiner mon projet, que ce soit le projet dans lequel j'ai envie d'ouvrir des associations dans mon pays d'origine, qui est le Cameroun. Énormément de confiance en moi.